Ce blé a reçu 700 litres hectares de thé de compost oxygéné pour augmenter sa vigueur, le protéger et stimuler la vie du sol. Aymeric Sabourot est l'un des rares agriculteurs à produire lui-même ses TCO à la fois en grande quantité et avec une grande rigueur méthodologique. Sa ferme est située à Latillé, à une trentaine de kilomètres de l'ouest de Poitiers. Cela fait seulement 3 ans qu'il a repris l'exploitation qui fait 60 hectares de limon battant à silex. Il a dû se contenter de cette surface pour débuter. Aussi travaille-t-il parallèlement au silo de la coopérative. Il pratique une agriculture sur sol vivant et n'a apporté aucune fumure de fond sur ses parcelles de blé. Donc l'implantation donc des blés, là, c'était derrière un sorgho grain récolté le 2 novembre. Et j'ai implanté les blés le 6 novembre. J'ai semé à peu près 350 grains mètre carré. J'ai fait un antiraminé dans le mois de décembre à 0,55. Après, j'ai fait un antidicote au mois de mars. J'ai mis 50 unités dans le mois de février. Après, j'ai passé 350 litres de TCO dans le début mars. Après, je suis repassé à 100 unités d'ammonitrate fin mars. Et juste derrière, j'ai fait un TCO à 350 litres hectares. Et voilà, c'est toutes les interventions que j'ai pu faire sur les blés. En fait, ammonitrate, c'est pour la simplicité, quoi. C'est vraiment la simplicité. Après, je pense qu'il va falloir que je change mes formes d'apport. Et je pense aussi, comme je disais ce matin, avec les analyses, plus les échelonner quoi, que ce que j'ai fait cette année. Quoi. Sur les moyennes qu'on a avant, 65 à peu près quintaux hectares, c'est ce que. Après celle-là, je pense plutôt vers les 60 là, cette année. Sans charge, on va dire, derrière, de produits de protection de culture. Quoi. Comme avec le semoir, hein, je suis à peu près à 6 litres hectare, 6 litres de gasoil hectare. Ma consommation de gasoil est vraiment infime, je veux dire. À l'hectare, moissonneuse, tout compris, je suis à 40 litres hectare. Donc, voilà, avec implantation de couverts et culture. Voilà. Sitôt la récolte pour laquelle il laisse la paille, Aymeric Sabourot remplit à nouveau son semoir. Vraiment tout ce que je peux mettre. Et aux alentours de 150-200 kg/hectare. Donc après, là, les kilo-hectares, c'est difficile à mettre, mais avec des poids, une févrole, ça va très vite en kilo-hectare, mais il y aura de la vesse, il y aura des graminées aussi. Et pour repartir sur un double couvert, donc été que en légumineuse, pour repartir sur un printemps derrière. L'investissement le plus important qu'ait fait Aymeric Sabourot, c'est celui de son semoir de semi-direct, un Weaving GD400T. Je vais vous parler d'un semoir que j'ai choisi donc à disque incliné. Par rapport à ma façon culturale, en faisant des gros couverts, un disque est toujours mieux qu'une dent. La dent va avoir tendance à bourrer alors que le disque va plutôt découper le couvert. Et je voulais plutôt un semoir à disque car chez moi en limon battant avec des terres à silex, on aurait remonté beaucoup trop de cailloux. Donc ça n'aurait pas été le top pour moi vis-à-vis de la culture après. Donc j'ai choisi ce semoir. Donc pour moi il est très polyvalent. Il y a juste un truc que je regrette peut-être un peu, c'est le poids de l'ensemble du semoir qui est peut-être un peu lourd. Donc sur des semis d'automne assez tardifs, comme là cette année on a eu sur les blés où j'ai semé le 12 novembre, c'était très limite. Donc voilà, sinon après j'ai pu faire dans toutes les conditions avec ce semoir, franchement ça a été royal. Maintenant c'est juste la prise en main qui a été un petit peu plus difficile, mais sinon tout était correct pour moi. Voilà, donc comme on peut voir là, les disques s'inclinent dans,
dans ce sens-là. Donc ça suit vraiment le relief du terrain. S'il y a un caillou, ça va aussi pouvoir l'éviter. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de puissance pour mettre devant. Donc moi j'ai un 135, mais avec un 90 100 chevaux sur du plat, ça va très très bien. Il y a juste un truc, c'est pour avoir quand même une pompe hydraulique assez importante sur le tracteur. Car la turbine consomme quand même pas mal. Donc après, sinon, il y a un autre moyen, c'est de mettre une turbine à part et puis voilà, brancher sur la prise de force et tout va très bien. Ben, l'intérêt du disque incliné pour moi, c'est pour les pailles. Donc après une récolte de blé, par exemple, je moissonne assez haut pour prendre que les épis. Hein. C'est par rapport à la moisson, pour aller le plus vite possible, garder quand même une couverture de la terre pour éviter un assèchement. Donc en fait, il me reste beaucoup de paille et en ayant le disque incliné, ça évite d'avoir de la paille dans le fond du sillon. Donc voilà, même s'il y en a toujours un peu, mais c'est un film quoi. À l'achat, il y avait une seule trémie, donc la principale, la grosse, et moi j'ai rajouté deux petites dessus. Voilà, ça me permet de semer par exemple une luzerne avec une grosse graine, si on veut faire que deux graines. Voilà, j'ai aussi incorporé de la veste et des micros aussi. J'ai mis des micros en bactéries, micro-start, voilà. Pour détruire son couvert au moment du semi, Aymeric Saboureau a modifié un ancien rouleau. C'est un rouleau FACA, mais moi je n'appellerais pas ça un rouleau FACA parce que je ne cherche pas à brasser non plus de la terre. Je veux vraiment pincer les tiges des plantes, des couverts en place. Donc en fait j'ai pris un ancien rouleau spire, où j'ai enlevé une spire et j'ai soudé des cornières dessus. Voilà. Donc là on peut voir les cornières. Ici. Et en fait c'est vraiment le pincement des tiges qui fait mourir la plante. Donc là on voit bien le travail du rouleau aussi. Le travail du rouleau qui est venu pincer les tiges en fait. Là, ici, une autre fois ici. Donc en fait, donc là on voit qu'elle reprenne un peu quand même. Mais comme la tige est pincée, eh ben, ça va vraiment mourir. On arrive dans une parcelle où il y avait un couvert de févrole implanté. Et j'ai semé un sorgho il y a à peine 15 jours. Ici, donc le couvert donc, de févrole était à peu près 1m80 au moins, facilement. Donc j'avais fait une pesée du couvert avant, hein, en verre. J'étais à 28 tonnes de matière. Voilà, là on voit encore de la fraîcheur. Mmh. Et vraiment ici en dessous, on voit bien. Puis pour la terre, Donc là, voilà, je parlais des silex tout à l'heure. Voilà ce que j'ai. Quand on prend la terre, vraiment. Voilà. Ouais, c'est pas une grosse. Et on peut voir donc, le disque. En fait, le disque il travaille vraiment comme ça là. Comme ça. Il travaille sur cette optique là. Et en fait, il va déposer la graine vraiment dessous. Donc là, on voit même. Et la plante sort vraiment. Elle sort pas dans le sillon, elle sort vraiment dans la terre quoi. Le sillon est mis comme ça. On peut voir le sillon à côté du disque et la plante qui sort vraiment à la verticale. Quoi. Voilà. Ce qu'il y a de particulièrement nouveau dans la méthode de culture d'Aymeric Saboureau, c'est l'usage du thé de compost oxygéné, autrement dit du TCO, qu'il applique sur ses cultures. Il fait des préparations variables en fonction du stade de la culture. Nous le retrouvons devant son bioréacteur dans lequel il fabrique son TCO. Au tout départ, donc, par exemple, on va prendre la culture d'un blé avec un couvert avant, par exemple. Au tout départ, je vais plus aller sur les bactéries pour pouvoir faire un biofilm sur la plante et l'aider à faire un biostimulant, en fait, au tout départ. Et après, je vais plus aller sur les champignons. On peut passer une fois à l'automne quand il a trois feuilles, en fait. D'accord.
Voilà, quand il a trois feuilles, on peut y passer. Donc ce qui serait bien, donc après, il faut avoir des températures idéales pour le mettre. Donc une dizaine de degrés. Donc il ne faut pas trop être non plus tard dans l'automne, parce qu'on aura plus ces températures-là. Et il faut vraiment un effet brouillard pour, ben, donc pour vraiment, quand on pulvérise, toucher le dessous et le dessus des feuilles, enfin vraiment partout sur la plante, quoi. On va revenir sur le printemps. C'est là où on va pouvoir avoir des températures idéales, enfin un temps idéal pour venir pulvériser. Je refais un TCO de bactéries que je retourne pulvériser. Et là, on voit un effet quand même, enfin, grâce à des analyses hein, de sève sur le blé, on voit un effet où tous ces micro-organismes permettent à la plante d'aller chercher vraiment les nutriments qu'elle a besoin. Et comme ce que j'ai pu voir cette année, en fait, ça a vraiment tout réaligné. Il y a juste deux, trois choses comme le molybdène, où j'ai pas pu aller le chercher, mais tous les autres éléments nutritifs, vraiment, ça a vraiment venu. J'aide la plante à aller chercher les éléments, mais en même temps, j'en pulvérise aussi sur le sol. Et en sachant que moi, sur mon sol, c'est un sol qui est toujours couvert, donc j'ai toujours des végétaux dessus. Et c'est pour ça que je reviens après avec des champignons. Parce qu'un champignon, entre autres le Trichoderma, va aider à la décomposition de toutes ces pailles qui sont restées sur le sol. Et un champignon, il a besoin de chaleur pour pouvoir. Chaleur et ombre quand même. Enfin, faut quand même qu'il soit un peu à l'ombre. Enfin voilà, pour pas qu'il grille. Pour l'apporter sur mes pailles, sur mes pailles qui sont restées au sol, pour pouvoir aider à la dégradation des pailles. Et en même temps, faire un réseau trophique qui va aider aussi toutes ces bactéries, enfin, tous ces éléments à venir créer une chaîne qui va venir sur les racines des plantes. L'année dernière, j'ai fait des bandes, donc des bandes témoins directement sur un blé, donc avec soit zéro passage, un passage, trois passages et quatre passages. À 150-160 litres hectares. Je passais. Sur mes bandes zéro, j'avais de la maladie. Sur mes blés. Après, sur mes bandes 3 et 4, un effet visuel, franchement, c'était vert. Alors que l'autre, c'était pas vert. Une plante en bonne santé. Quand j'ai fait mes analyses de sève, j'ai pu remarquer que toutes mes feuilles de blé étaient vraiment toutes en bonne santé, en bonne forme. Elles étaient toutes vertes, mais donc de la dernière à la première, quoi. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Les maladies n'arrivent pas à venir au contact de la feuille, car on crée un biofilm sur les feuilles. Donc, ce biofilm fait par ces bactéries permettent aux champignons de ne pas venir adhérer et se faire manger directement par les autres champignons qu'on met dedans en même temps, qui sont bénéfiques pour les plantes. Et après, sur la fin, à la moisson, c'est ce que je voulais voir aussi. Alors, le rendement, ça a été difficile à estimer, parce que je l'ai fait avec la moissonneuse, enfin voilà, mais à peu près, donc au minimum, 200 kg hectare en plus. Mais ce que j'ai pu retrouver, c'est un point de protéines en plus quand même. Alors, je suis engagé depuis que je me suis installé. Hein, donc, ça va faire 3 ans. En sachant qu'avant, j'avais beaucoup réfléchi à ça quand même. J'ai regardé beaucoup. Sauf que je n'avais pas l'opportunité de m'installer. Donc, voilà, quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai mis en place directement. Ben, la raison, c'est de prendre soin de mes sols, de la biodiversité. Et pouvoir profiter de cette nature, quoi, en fait. Voilà, sans pour autant faire du tracteur, du tracteur, du tracteur, du tracteur. Voilà. Ah, déjà, il faut travailler tout de suite avec les couverts végétaux. Il faut tout de suite mettre les couverts végétaux en place. Et ça va être la base de l'agriculture de conservation des sols. En fait, il faut toujours avoir un sol couvert, quoi. Jamais nu, jamais nu. Ça, c'est la base. Après, le moins de produits phyto, et pas mal aussi, hein, ça permet de garder la biodiversité.
Je parle hors sol et dans le sol aussi. Parce qu'on n'a pas l'impression, mais les phytos tuent quand même des micro-organismes. Alors moins on en mettra, mieux on se portera. Quelquefois, je me dis dans ma tête, comme j'ai que les désherbages, pourquoi pas passer en bio? Et puis, comme je suis équipé d'un trieur, eh ben, pourquoi pas trier? Ça me tourne beaucoup dans la tête. Ouais. Pour moi, le bio, je pense qu'on est capable de le faire sans travailler le sol, ou vraiment un minima, quoi, juste en surface. Et c'est tout. Hein. Pour moi, on n'a pas besoin de... Et je pense que les TCO vont bien nous aider par rapport à ça, avec l'enrobage de semences, où on va gagner en germination, en pouvoir de boost, en fait, sur les semences. Et voilà, après, je pense que si on a compris tout ça, même si on doit un peu trier, moi, je suis équipé d'un trieur, donc ça va encore. Je n'ai pas une grosse surface non plus. Je pense que ça peut être faisable à mon échelle, quoi. Ouais, j'aimerais bien retrouver un petit peu plus de surface pour vivre de cette agriculture, déjà. Mais pas non plus à des échelles où je reverrai pas ma famille, quoi, par exemple. Donc voilà, je préfère aussi... Alors, je sais que ma femme me le répète un peu, mes enfants aussi. Je passe souvent du temps dans mes champs, de trop, vis-à-vis d'eux. Hein. Après, vis-à-vis de moi, enfin, maintenant, ça reste, enfin, c'est une passion. Donc, voilà, quand on fait sa passion, eh ben, on le vit, quoi, je veux dire. Donc voilà. Puis les TCO prennent beaucoup de temps, enfin, la mise en place. Enfin, voilà, quand j'ai commencé, ça m'a pris du temps quand même. Fallait tout étudier, fallait voir que tout, enfin, si tout fonctionnait bien. Enfin, donc voilà. Mais oui, non, enfin voilà, m'agrandir, j'aimerais bien avoir le double, 120 hectares à peu près, même 140, ça serait bien. Voilà. Pour moi, je pense que c'est la surface idéale par rapport à ce que je veux plus tard, quoi. Voilà.